Hey yo les gens, c'est DragSurvie, aujourd'hui on se retrouve sur OutDrive. Aujourd'hui, petite vidéo sur ce jeu. Alors aujourd'hui, on va continuer, moi je vais continuer mon aventure. Alors je vais vous expliquer un peu, j'ai beaucoup avancé sur ce jeu depuis le live. Depuis mercredi. Aujourd'hui, je suis dans une zone où c'est complètement désertique, on va dire, avec des constructions où ils pensaient qu'il n'y avait pas de vie et qu'on ne fait, il y a la vie sur cette planète. Alors, j'ai quelques problèmes de connexion au niveau du jeu. Je ne sais pas pourquoi, ça bug beaucoup, il y a beaucoup de moments où ça bug ou quoi que ce soit. Alors comme vous le voyez, je suis quand même niveau 25 et avec ce niveau là j'ai battu un boss hier. J'étais obligé de rétrograder niveau du monde niveau 2, donc en mode facile, pas en mode normal. Je suis en temps normal, en mode normal. Et j'étais en train de penser à, si tu regardes ceci, tu sauras de qui je parle. Clairement, même en mode normal, j'étais obligé de baisser parce que ça me faisait... Bon, c'est vrai que je l'ai fait hier soir, j'étais peut-être fatigué ou quoi que ce soit, j'arrivais plus à gérer ou quoi que ce soit. Mais en mode facile, c'était plus facile que ça. Et clairement, en mode hardcore, moi je l'aurais pas pu. Et il y aura des moments, surtout là en ce moment où j'en suis, ça devient très 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 compliqué. Donc on va envoyer ça tout de suite. Donc j'ai pas changé de catégorie, hein, je suis toujours pyromane, niveau 25, j'ai quelques nouveaux petits, j'ai des armes légendaires, j'ai quelques armes légendaires, grâce au boss, hein, grâce au boss, on se le cache pas. Bon, il n'y a pas grand pourcent de chance d'avoir des armes légendaires avec un mode en mode facile ou en mode normal. Mais même en mode normal, quand j'ai battu le en mode facile, j'ai eu quand même une arme légendaire. J'en ai eu même deux, un sniper et une rafale. Mais le rafale, il est pas... Il est comme ci, comme ça. Le sniper, je ne l'ai pas gardé. J'ai fait une fausse manip et je l'ai supprimé comme un con. Mais je vais vous montrer au niveau de l'arme, qui est plutôt sympa, qui est vraiment très 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 stylé. À part si je l'ai enlevé, mais normalement je m'étais dit de la garder. Donc vu que j'ai envie de garder toutes les armes légendaires, envie de me faire un stuff légendaire. Alors c'est sûr que je vais avoir un peu plus de difficulté en mode normal d'avoir un stuff légendaire, parce que normalement il faut être en difficile ou en hardcore. Mais clairement, parce qu'il y a plusieurs modes de jeu, et là déjà en mode normal je peux avoir quelques armes légendaires et c'est vrai que c'est sympa. Donc voilà. Moi j'ai déjà des armes, je vais vous montrer un peu mon stuff. Donc je suis ici, je suis ici, et je vais vous montrer un peu où j'en suis. Donc je suis, alors attendez, toc. Donc j'ai un, alors tout est en épique la plupart, sauf les gants et les chaussures comme vous le voyez. Bon, j'ai au minimum toute ma tenue a un pouvoir supplémentaire, donc la force du phénix, donc au niveau des radiations, tout ça. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Là j'ai deux pouvoirs en plus, tout ça. Là c'est pareil, là c'est pareil, j'ai deux pouvoirs dont des balles très utiles, des balles givrantes et des balles toxiques. Et ça c'est vraiment OP quand vous êtes en train de vous battre, et puis que c'est vrai que il y en a certains, ils viennent sur vous et que vous n'arrivez pas à les battre. Et ben c'est vrai que c'est très très pratique. Alors normalement, voilà, donc comme vous le voyez, donc l'arme légendaire c'est celle-ci. Donc pistolet, mitrailleur standard, Vero. Alors un peu bizarre cette arme là, mais je vais pas l'utiliser parce qu'au niveau stabilité, certes elle a un bon pourcentage, mais au niveau précision et portée, bah c'est pas ça. J'ai eu d'autres armes, mais bon, ceux-là je vais les supprimer vu que c'est des armes vertes, donc ça me servirait à rien. Donc, et après, bon, bah c'est pareil. Après, ce que vous pouvez faire, vous faites ça sur vos armures. Alors je pensais qu'on pouvait les faire que vers les marchands ou quoi que ce soit, mais en fait non, c'est même plus rentable de le faire sur vous, parce que vous gagnez, je crois bien que vous gagnez peut-être un tout petit peu plus.
voire peut-être un peu moins, mais pas grand-chose. Et bah déjà, quand vous le faites, c'est déjà très très utile. Alors, moi, je suis en train de rechercher des anciennes gravures autour du village. Donc, normalement, je vais vous montrer. Donc, on en est. Donc, je suis là. Vraiment, c'est vraiment désertique, hein. Donc, c'est un village. Donc, j'ai déjà battu le boss qui était ici. Alors, bon, âme sensible, s'abstenir pour ceux qui. Parce que c'est assez bain de sang, on va dire. On a perdu notre pilote, donc l'ami du joueur, de la personne où je joue. Et là, je suis en train de rechercher des statues. Donc on est un en moins. Donc là, on va faire ça et on verra ça plus tard. Je vous montrerai où on en est. Donc j'espère que ça va pas trop bugger. Donc en même temps, je récupère encore pas mal de petites choses. Je récupère pas mal de ressources. Parce que c'est toujours utile, surtout pour améliorer les armes, les machins. Vous allez voir pourquoi j'en chie autant dans cette zone. Allez, c'est parti. Or, moi, ce que je trouve dommage sur un jeu comme ça, parce que clairement on a un pouvoir, mais ce qui aurait été vraiment intéressant, c'est d'en avoir deux. Bon, je dis pas ça dans le vif du sujet, dans le moment. Voilà, hop, on l'a déjà gelé. On l'a déjà gelé. Alors attendez, parce que. Oui, je savais bien. Ah oui, c'est vrai. On va changer de camp. On va punir les autres avec son snipe. Alors ça y est, alors j'ai un petit boost de recul avec le pouvoir de. Ah, ils font mal, hein. Oh. C'est pas possible ça, ils sont combien? Dites les gars, c'est possible de reculer? Parce que c'est gentil d'avoir des armures, mais. Ah, c'est très très chiant parce que le truc c'est que. Là, le souci du système c'est que le truc c'est qu'il vous envoie des. Je dis pas que le jeu est mal fait, hein. C'est au contraire. Et le truc, c'est qu'ils nous ont habitués avec un système un peu plus sympa. Et là, le truc, c'est que là, c'est vraiment devenu très 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 compliqué. Parce que bah déjà, il y a les, ouais, il y a le système. On fait le nettoyage, hein, pendant qu'on y est. Putain. Guignouf là avec ses. Hop. Il va où? Non, non. Et pourquoi? Planque-toi là. Alors c'est très très chiant parce que le truc c'est que bon pour certaines fois j'aime bien. Oh merde. Voilà, c'est ça le problème, c'est que eux.
Et là... Alors, toc. Toc. Alors c'est pas que moi je garde pas mon, les snipers, c'est le truc, c'est que quand vous êtes en solo, le sniper, et puis que vous savez qu'il y en a qui vous viennent sur la tronche, c'est impossible à jouer et ils sont combien là? Alors je ne récupère pas les armes vertes, même si elles sont plus puissantes que les miennes, parce que j'en ai pas l'utilité. Ouh. Il y en a un qui est derrière moi. Il y en a un qui est derrière moi. Sale chien. Oh! Ah bah non! Ah non, mais non! Ça, c'est de la triche, par contre. Oh non, mais... C'est quoi, ce truc, là? Il se bat au sniper? Il se bat à quoi, lui? Bah oui, mais ça va, et les tornades, là, oh. Je joue au con, tête de cul. Mais ça va, oh la vache. Mais non. Mais non. Non mais... Attends, puis c'est guéri en plus. Voilà, là il y a quand même un gros souci, le truc c'est que il y a beaucoup de boss ou quoi que ce soit qui ne se guérissent pas comme ça en temps normal. Et par exemple, là comme vous le voyez, j'ai un 2 spawn, le souci c'est qu'ils me remettent tous les monstres. Ils essayent pas de gérer le système au niveau de ça parce que bah, c'est trop mal fait au niveau de ça et ça c'est dommage. Ils auraient pu faire un truc un peu plus ouais, un peu plus cool. Apparemment. Ils sont chiants hein, aussi avec leur pouvoir. C'est chiant parce que de recommencer tout le temps, ça devient énervant en fait, c'est ça le problème. C'est que parce que j'ai des bonnes armes, je suis super bien amélioré et tout ça, mais niveau ça... Non, il y a quand même un petit truc qui manque quand même, qu'ils auraient pu faire, chasseur de niveau 3. Pareil, les snipers... Bon, après, en mode normal... En mode normal contre des bots comme ça là, j'y arrive plutôt. Ah oui.
Oh bah oui. Même pas vu le truc. Eh, d'où il me touche? Adios. Ah mais il est chiant avec son sniper de merde. Pas trop tôt. Pour une arme de merde, bah oui. Ah bah non, il y en a deux. Ah bah ça va, c'est un gros. C'est un as mode. C'est l'as mode comme dirait, comme je l'appelle. C'est celui qui perd son, ses protections plus rapide que son ombre. Après ils font mal quand même avec leur, leur pistolet électrique là. Mais non, sérieux, j'ai plus de balles? J'ai plus de balles! Oh, ça va que les petits pistolets sont balles illimitées parce que. Je suis en train de manger. Il recule. Le mérite de tuer quelqu'un avec un des petits pistolets. Faisons le plein des armes. Parce que ça fait un moment que je les ai pas améliorés. C'est vrai que mes armes n'ont pas été améliorées depuis un petit moment. Donc ça touche. Attendez. Bon, il y en a combien? 1, 2, 3. Le truc c'est qu'il y en a toujours. Parce qu'il y a eu le boss, mais est-ce qu'il n'y en a pas un autre qui va sortir entre temps? Non. Je l'ai dit, j'ai trouvé.
trouver un autre artefact. Alors ce qui est dommage, c'est que quand vous avez des missions comme ça, alors bon, ça débloque des armes, des trucs comme ça. Ça nous débloque aussi des points pour améliorer nos compétences, les trucs comme ça. Sauf que le gros souci, c'est que on peut pas, il n'y a pas d'amélioration en fait. C'est pas un système d'amélioration au niveau des pouvoirs. Dommage qu'il n'y ait pas un système où en fait ça améliore nos pouvoirs petit à petit. Et ça, c'est dommage. Donc là, on a trouvé la deuxième gravure. Donc il m'en reste une à trouver. Parce que chaque zone a son lot, on va dire. Et là, par exemple, il me reste cette zone-là. Alors, je vais surtout vous montrer. Là, je vais juste me TP au camp. Pour vous montrer un truc. Donc on a perdu donc, le conducteur, comme je vous ai dit en début de vidéo. On a encore... voilà, on a perdu, on est déjà moins. Alors on a une alien maintenant. Alors moi je l'appelle Alien, mais c'est Auguste son vrai nom. On l'appelle Auguste. Nous avons Thiago, un homme de la forêt qui est plutôt sympa. Donc c'est un peu notre guide touristique, on va dire. Nous avons notre cher, ouais, on peut l'appeler, c'est une mercenaire, une assassin, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Elle a voulu nous tuer et bon, vous comprendrez quand vous, si vous testez le jeu. Le souci c'est que il y a, voilà, elle a perdu et à la place de la tuer, elle est en fauteuil roulant, donc elle était pendant un petit moment dans le coma, donc pour éviter de la tuer, elle a perdu ses jambes, donc comme vous le voyez. Elle a une protection au niveau des jambes, tout ça, donc voilà. Donc c'est plutôt cool. Nous avons elle, donc la fille du conducteur. Donc tout compte fait, on comprend un peu mieux au fil du temps que c'est sa fille. Et bah, tout compte fait, bah, elle reprend le relais au niveau du camion. Donc normalement, si, alors si je lui parle... Faire les préparatrices, transforme-moi ce camion de guerre. Voilà, donc voilà, c'est elle qui a repris les rênes, on va dire, clairement. Donc j'ai eu pas mal de petites améliorations, j'ai eu un arrière, j'ai eu des jantes, j'ai eu pas mal de petites choses. Donc c'est plutôt sympa. Au niveau de la bannière, bon, bah la bannière, j'ai une nouvelle bannière, j'ai celle-là. Alors je vais essayer, voilà, bon, pour le moment, c'est une bannière, mais c'est vrai que... C'est vrai qu'elles sont plutôt pas mal, on va dire. Elles sont vraiment pas mal. Après, vous avez des bannières, donc la peinture, tout ça. Vous avez les sceaux. Les sceaux, alors le sceau, si... Je dis bien si, hein. S'il y a un dragon, je mettrai un dragon, une tête de dragon. Parce qu'il y a plusieurs, plusieurs petites choses qui se débloquent. Et c'est vrai que... bah voilà, comme les boss. Les boss que vous tuez. Les boss monstres, les boss aliens, voilà. Au fil du temps, vous allez débloquer pas mal de petites choses. Donc, et nous avons toujours notre médecin, notre cher docteur, notre cher docteur qui aussi améliore nos armes. Donc, ça c'est plutôt cool. Par contre, alors attendez. Parce que tout compte fait, alors on va monter notre cher, voilà, niveau max, change de variante, non, par contre, augmente les statuts, alors là, on va augmenter à fond, parce qu'avec tous les points que j'ai eu là, je pense que je peux améliorer au minimum toutes mes armes, voilà. Donc celle-là, elle est améliorée à fond. Et je vais améliorer celle-ci. Qui va passer aussi. Alors peut-être pas à fond. Voilà, ça c'est pas à fond. Ça, c'est à fond. Donc c'est plutôt intéressant. Alors bon, après, c'est au fil du temps, hein, bien sûr.
Je vais passer aussi son niveau. Voilà. Bon, bah là, je peux pas lui passer niveau max parce que j'ai pas assez de composants. Toc, toc, toc. Donc, pendant qu'on est là, bah, et puis pendant qu'on va se quitter là, parce que tout compte fait. Ou non, tiens, je vais continuer, puis je ferai des coupures. Ou puis non. Donc on va ranger ça. Voilà. On va ranger ça. Et on va... Hop. Pendant qu'on y est. Ah bah j'ai eu un casque. Hop. J'ai pas eu d'armure. Oh bah là. Alors bon, je repasse au niveau bleu. Le truc c'est que même si vous repassez au niveau bleu, le mieux c'est d'avoir quand même des compétences. Donc je me vois pas passer en vert parce que le vert est vraiment plus très utile. Donc voilà, tant qu'il y a au minimum une compétence et que je peux avoir au minimum voilà, un petit peu de violet, là par exemple je suis quand même presque 1000. Clairement, pouvoir, je suis bon pour puissance de feu, je suis un bon machin, une armure plutôt pas mal, des pistolets, un pistolet vraiment très 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 cool, tout compte fait. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser sur ceci, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Dites-moi en commentaire si vous voulez revoir du Outlast. Du Outrit, pardon, du Outrider, un bon petit côté, un petit côté futuriste et apocalyptique. N'hésitez pas à faire le nécessaire et on se dit à la prochaine, les gens. C'était The Fin.